Bonjour Kelly. Bonjour. Alors, de quoi est-ce que vous allez nous parler aujourd'hui? Vous me voyez Vous là? faites coucou? Oui, on vous voit. Ouais. Ici Houston. Allô, allô. Ben, je sais pas qu'est-ce qu'on fait. Alors, on va parler un peu et puis on va jouer des On chansons. va chanter. Ouais, est-ce que vous Ok. pouvez nous parler de votre dernier album qui est sorti en novembre? Ouais, ben, les choses défendues. C'est mon septième album et c'est un de mes sept préférés. Et de loin. Non, en tout cas, c'est. Je suis très fier. Je l'ai fait avec Edith Fambuena. Elle a réalisé le disque. C'est elle qui a travaillé avec les. Son groupe, c'était les Valentins. Mais si vous écoutez Fantaisie militaire de Bachung, c'est elle. Les Dao aussi, et Miossec, et le dernier Higelin, qui est merveilleux, qui pour moi est le plus grand disque de chansons de l'année. Et plein de choses, Olivia, Ruiz, Zazie, et on a travaillé tous les deux, on s'amusait comme des petits fous. Et j'ai retrouvé, voilà, c'était un bain de jouvence, quoi, vraiment. Voilà, je suis très fier de ce disque. Et alors, c'est quoi les choses défendues pour vous? Les choses défendues pour moi, c'est. J'aime bien l'idée de me dire que on a des routes tracées toutes droites. Tracé par quelqu'un ou tracé par un bout de vie ou par un métier ou par des parents. Mais pour sculpter sa propre existence, il faut aller picorer à droite à gauche, il faut sortir de ces chemins-là, il faut aller croquer la vie et il faut faire plein de bêtises pour que le cœur soit rassasié, je pense. Pour moi, c'est ça les choses défendues. C'est pas les choses interdites parce que les choses interdites, c'est les choses qui font mal aux gens, il faut pas faire ça. Mais par contre, les choses défendues, c'est pas mal, ouais, j'aime bien. Ok. Vous nous chantez une de vos chansons, une de vos nouvelles chansons? Vous voulez que je vous chante là, une Ouais? chanson? Alors, je vais chanter une chanson qui s'appelle À cet instant, je pense à toi. Ok. Déjà plein de réactions, hein. C'est vrai? Ouais, vous avez notamment des compliments. L'amour parfait restera ton meilleur album, dit Kevin. Ouais, j'aime Ah. le meilleur. Et les autres, alors? Mais Allez, merci quand même. Ouais. J'y vais alors. on y va. Allez. À la gloire égarée, au boxeur au tapis, à l'absence qui est trop là, pas si loin de l'oubli, à cet instant, je pense à toi. Au vaincu magnifique, à genoux qui saigne, au cynique planqué qui ajoute à sa peine, à cet instant, je pense à toi. À la triste beauté passée qu'on n'a pas vue, au cœur pur en lambeaux et qui se prostitue, à cet instant, je pense à toi. Au désespéré fusillé par l'amour, au perdu, au perdant, je pense à toi toujours, à cet instant, je pense à toi. Aux enfants qui courent sur la grève, à leurs pieds nus au vent qui se lève, à la mer à perte de vue, je pense à toi. Aux amants menottés et qui ne baisent plus, à la femme qui braque du bout de ses seins nus, à cet instant, je pense à toi. Au goût dur qu'on étrangle et qu'on jette en prison, parce qu'il a mis la frousse à deux ou trois patrons, à cet instant, je pense à toi. À toi qui m'as tendu ta joie et ton Ricard, dans ce café pendu au 10 mai de l'espoir, à cet instant, je pense à toi. À toi qui n'as pas vu le mur qui s'écroulait, et puis juste derrière tous tes jouets cassés, à cet instant, je pense à toi. À toi qui as goûté ma bouche avec ta bouche, et qui as guidé mes mains, ma langue et mes doigts, à cet instant, je pense
à toi. À l'oiseau qui attend les ailes sur les pieds, que le bateau blessé s'échoue sur les rochers à cet instant. Je pense à toi. À toi qui m'as offert ma fugue de 16 ans. Mon Dieu, pour ce baiser, je voudrais mes 16 ans à cet instant. Je pense à toi. La lumière va s'éteindre ce soir en Géorgie. Tu vas enfin mourir, il te l'avait promis à cet instant. Je pense à toi. Je veux des bouquets rouges et courir dans les blés. Je veux être ton homme à en crever à cet instant. Je pense à toi. À cet instant, je pense à toi. Super, merci. Bon, on n'entend pas les applaudissements, mais il y a plein de cœurs qui défilent sur mon merci, écran. Merci beaucoup. C'est quoi l'histoire de cette chanson ? L'histoire de cette chanson, elle est arrivée très vite. En fait, c'est comme si je l'avais crachée comme ça et jetée. C'est une réaction, une vraie réaction. Je me suis senti un petit peu prisonnier de la vie aujourd'hui, c'est-à-dire l'ordinateur allumé, une télé allumée, la radio allumée. Et les journaux là, et toutes ces infos qu'on reçoit à fond, qui nous submergent. Et parmi ces infos, évidemment celles qui font du mal, enfin en tout cas qui révoltent. Je pense à, quand je dis un moment dans la chanson, la lumière va s'éteindre ce soir en Géorgie, c'est cet homme qui est resté 40 ans, ou plus de 40 ans dans les couloirs de la mort. Et ils ont fini par l'exécuter, c'est une cruauté absolue. Je pense aux goudieurs. Alors on en parle aujourd'hui, les goudieurs qui prennent de la prison parce qu'ils ont séquestré, alors le mot est fort, ils ont gardé une après-midi ou leur patron dans les bureaux et je trouve ça révoltant quoi, parce qu'aujourd'hui on a des grands patrons qui font des choses beaucoup plus on va dire terribles et qui n'ont pas, qui sont pas, bah, aux yeux de la justice, qui n'ont pas les mêmes peines. Voilà, ça me révolte beaucoup. J'ai pensé à mon grand-père quand je dis, quand je parle du mur qui s'écroule. Mon grand-père est mort en 88 et en 89 c'était le mur de Berlin et il n'a pas vu toutes ces utopies écrouler derrière quoi. Et bien, c'est peut-être mieux qu'il soit parti juste avant quelque part. Je pense au 10 mai 81. C'est des choses qui sont arrivées comme ça. J'étais tout petit, j'arrivais d'un match de rugby et je suis arrivé sur la place de mon village et tout le monde pleurait de joie et mon père pleurait de joie parce que c'était la victoire de Mitterrand et un ami de mon papa m'a tendu un Ricard et j'ai bu le Ricard, j'étais tout petit. Donc ça marque évidemment. Je pense à la fugue, une fugue, on parlait des choses défendues, c'est la fugue à 16 ans, une fugue pour rejoindre au lieu d'aller à l'école. Je suis parti en Angleterre rejoindre une amoureuse. Et toute la police m'a cherché partout. Donc je pense à tout ça aussi. C'est l'histoire de cette chanson, voilà. Il y en a qui vous aiment beaucoup, hein. Ils demandent à ce que vous soyez président. Les pauvres. D'autres disent que vous êtes le meilleur. Donc, ça me touche beaucoup. Vous avez plein de compliments. Et on a notamment une internaute qui demande quand est-ce que vous passez à Nantes. Oh, ça va arriver très vite avant, je crois. Alors je ne veux pas dire de bêtises, mais c'est début février, je crois le 9, un truc comme ça, ou le 6. Okay. En tout cas, c'est dans ces eaux-là. Mais je suis à Nantes, ouais. Et je suis ravi parce qu'il faut, en tout cas, faut se dépêcher parce que on a jusque-là toutes les dates qui étaient complètes. Alors, je suis ravi, ravi. Il faut aller voir vite si vous voulez venir voir. Dépêchez-vous là pour acheter les places. Ou alors vous me laissez un nom là et je vous invite. Voilà. Alors attendez, je vais vous dire. Je sais pas où est son prénom, mais si vous relaissez un commentaire, peut-être que vous aurez une invitation de Cali directement. Voilà. Alors, moi, je lis un commentaire qui m'interpelle.
C'est une jeune femme qui s'appelle Stéphanie qui dit qu'elle adore vos mimiques et elle dit et surtout son pas de danse. C'est quoi Ah! ce pas de danse? On peut le voir? Non, mais c'est. Ah bah. Non, parce que c'est un. Alors, il y a plusieurs. Peut-être, sur scène, j'exécute à un moment une danse absolument ridicule. Et j'ai gardé ça parce que quand j'ai vu la tête que faisaient les gens qui travaillaient avec moi, le sonorisateur et l'éclairagiste, et ils m'ont regardé avec des yeux tout ronds, j'ai dit, bon, il faut que je continue à faire ça. Ou sinon, je danse comme si je mettais des doigts dans une prise aussi, quand je danse dans une soirée. Voilà. Et les gens me regardent, ouais, quand je danse. C'est complètement ridicule, en fait. Vous voulez pas nous Non, mais le faire. j'aurais. Vous avez pas envie d'être ridicule. Non, si. Bah, si le ridicule tuait, je serais déjà mort 1000 fois dans d'atroces souffrances. Mais en tout cas, ce que je voudrais un jour, c'est être Travolta. Voilà. Ah, bon, Je alors, voudrais danser comme on Travolta. note. Alors, moi, ce que je vais proposer aux internautes, vous allez pouvoir là mettre des titres de chansons et puis comme ça, Kali pourra éventuellement choisir parmi celles que vous proposez. Vous Je avez sais. envie d'en jouer une en particulier? Non, bah allez-y, on va voir. Et puis, je Bon, sais pas trop. allez. On attend. Béatrice qui dit que vous êtes un immense artiste. Oh, c'est adorable, Ah, c'est et vraiment on très dit, gentil. et vous avez Ève qui dit que votre pas de danse n'est absolument pas ridicule. Merci, Il est Eve. beau de naïveté et de grâce. C'est gentil. Merci beaucoup. Ça, je le dirai à mes copains là, tiens. Ah tiens, il y a une question de Jean qui demande si vous allez suivre le débat de la primaire ce soir, mais je ne crois pas. Ce soir, j'enregistre. Je suis. Ben là, on est en direct chez RTL, au Oui. grand studio, avec mon ami Éric Jean-Jean, le merveilleux Éric Jean-Jean. Et ce soir, on enregistre l'émission. Mais je me dis que, vu comme ça s'est passé la dernière fois, il suffira d'allumer n'importe quelle chaîne de télé. J'ai pas la télé, mais là où je suis à Paris, il y a une télé. Et puis, je pense qu'on va en entendre parler, quoi. On verra ce qui va se passer. Ok, vous allez aller voter dimanche? Oui. Dimanche, je serai chez. Samedi soir, je joue à Perpignan. Donc, ma petite famille sera là. Donc, samedi soir, je dors à la maison, enfin. Et dimanche, je me lèverai pour aller voter. Ça y est, on a un titre de chanson. C'est Annie Girardot. Oh là là, je n'ai jamais joué à la guitare, mais pourquoi pas, on va voir. Hein. Je Sinon, connais comme ça. on peut faire un Oh, classique, je oups, pense non, que mais ça. je vais essayer, je vais essayer. Je vais faire Annie Girardot. Oui, Voilà. voilà, il faut forcer. Je sais pas, est-ce que vous entendez bien là-bas tout ce qui se passe? Ça se passe Alors, bien, j'ai non? eu des petits commentaires sur peut-être Dites-moi ce que. qu'on n'entend pas assez la guitare. Ok. Donc si, peut-être qu'on peut le. Est-ce que là on entend la guitare? On entend la guitare? Allez, on va dire qu'on l'entend. Nous étions tous allongés, les quatre enfants autour de leur père. Les volets étaient tirés, seules quelques larmes de jour osèrent se glisser dans la chambre, froide et triste. C'était 2 jours après, c'était en 5 janvier, nous étions tous les cinq allongés. Mon père nous rassembla avec ses deux bras très forts. Il ne parlait pas perdu comme Annie Girardot à l'aéroport. Nous étions tous les cinq enlacés sur leur lit, en fagot de chagrin jeté sur leur grand lit. Il venait d'enterrer sa femme en début d'après-midi. Je ne me souviens pas des quelques mots qui ont réussi à sortir de sa barbe. C'était peut-être des jolis mots. Je ne me souviens que de sa barbe. Je ne vais pas mourir tout de suite, ou bien je vais mourir jusqu'au bout. Je ne me souviens plus de ses mots, ni de grand-chose. Moi, j'étais glissé en dessous. Nous étions tous les cinq
enlacés sur leur lit, en fagot de chagrin, jetés sur leur grand lit. Il venait d'enterrer sa femme en début d'après-midi. On ne se rappelle pas de tout, mais jamais on oublie. Super, merci Camille. Merci beaucoup. Alors Pauline, une des internautes, dit qu'elle se souvient très bien d'un concert à Paimpol. Ouais. Moi aussi, je me souviens. Et elle dit qu'elle avait eu les larmes aux yeux parce qu'elle était montée sur scène à côté de vous. Ah là là, Pauline. Ce jour-là, j'avais été intronisée par la coquille Saint-Jacques de Saint-Paul. Donc j'avais le chapeau et je fais partie de la confrérie de la coquille Saint-Jacques de Saint-Paul. Donc je dois à vie défendre la coquille Saint-Jacques de pourquoi je dis Saint-Paul, c'est Paimpol. Paimpol. Voilà. Mais c'est merveilleux hein, parce que j'ai pas pu aller ce jour-là, mais si on fait, on m'a dit qu'une petite traversée de bateau, il y avait l'île de Bréa et je veux retourner là-bas parce que c'était extraordinaire. Je suis amoureux de ce pays-là. Ouais, je suis amoureux de la Bretagne. Il y a plein de commentaires très positifs qui disent que votre dernier album est magnifique. Merci beaucoup. Ça remonte le moral. On a même une personne qui est malade et qui dit que elle a un cancer et que ça lui fait du bien de vous entendre chanter. Merci beaucoup, ça me touche beaucoup. Ouais. Et on a aussi Jérémy qui dit « Vive la Catalogne ». Vive la Catalogne, je la renifle là, elle arrive bientôt pour moi. Demain, je joue à Porte-les-Valences. Après-demain, je serai du côté de Nice. Et vers là-bas, et puis dans 3 jours, à Perpignan, la Catalogne. Mais c'est impressionnant hein, parce que je vais jouer mon spectacle tout seul devant la famille, les amis. Et comme je raconte des anecdotes pendant le spectacle très personnelles, c'est dingue. C'est comme si j'ai l'impression à Perpignan, je vais m'asseoir autour d'une table et tout raconter à ma famille. Quoi. Wow. Ça m'impressionne un peu. Ouais. Donc s'il faut venir vous voir quelque part, c'est à Perpignan. Il faut aller partout. Okay. Alors, il y a Nadine qui dit il y a une chanson qui s'appelle La Lettre, qui est peu connue, qu'elle aime infiniment. Oh là, je ne sais plus. Vous chantez malheureusement jamais. C'est vrai. Pourquoi ? Mais c'est une bonne idée, parce que là, je ne pourrais pas la chanter parce que j'ai pas les mots devant moi. Alors, ça fait un petit moment. Mais j'aime beaucoup cette chanson. Et c'est une bonne idée pour la mettre dans le spectacle, parce qu'on peut faire ce qu'on veut dans le spectacle. Mais merci en tout cas. C'est vrai que c'est une. Elle est sur aucun disque merci en tout cas. C'est vrai que je vais la jouer. Je vais la jouer ça. Sinon, Cali, moi ce que je vous propose c'est que alors Nadine en question dit que elle espère venir au parc des oiseaux à Villars-les-Dombes cet été. Ouais. Vous allez jouer là-bas ? Peut-être que vous pouvez la chanter là-bas. Non, parce que là-bas ça sera avec mon groupe très rock et ce morceau c'est piano voix et c'est un peu compliqué. Je la jouerai ailleurs, promis. Voilà, okay. Ça sera pour elle. Est-ce qu'elle la connaît Est-ce que vous la connaissez, Nadine Ah, mais on ne peut pas l'entendre, là, Nadine. Je ne peux pas l'entendre. Non, ah, mince. Voilà. Non. Alors, ce qu'on fait, c'est que si vous la connaissez, vous la jouez au piano chez vous. Et moi, je ferme les yeux et on dit que je suis avec vous. Ok, Nadine. on se tente une dernière chanson. Est-ce qu'on peut prendre une des chansons un peu anciennes et que tout le monde a envie d'entendre. J'ai notamment vu plein de commentaires sur « C'est quand le bonheur » ou « Elle m'a dit ». Elle m'a dit, mais alors une version tranquille. Ouais. Ah oui, avec plaisir. Allez, on va finir là-dessus. Je sais pas si vous entendez la guitare ou... En tout cas, elle est là, promis. Je crois que je ne t'aime plus, elle m'a dit ça hier. Ça a claqué dans l'air comme un coup de revolver. Je crois que je ne t'aime plus, elle a jeté ça hier entre le fromage et le dessert comme mon cadavre à la mer. Je crois que je ne t'aime plus, ta peau est du papier de verre sous mes doigts. Je te regarde et je pleure juste pour rien.
comme ça. Sans raison, je pleure à gros bouillon, je pleure comme devant un oignon, je pleure. Arrêtons là. La 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 la. Elle m'a dit la 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 la. Je crois que je ne t'aime plus. Relève-toi, relève-toi, ne te mouche pas dans ma robe, pas cette fois. Relève-toi, tu n'as plus d'odeur, tes lèvres sont le marbre de la tombe de notre amour. Elle m'a dit ça, son sang était froid. Quand je fais l'amour avec toi, je pense à lui. Quand je fais l'amour avec lui, je ne pense plus à toi. La 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 la. Elle m'a dit la la. Je crois que je ne t'aime plus, elle m'a dit ça hier, ça a pété dans l'air comme mon vieux coup de tonnerre. Je crois que je ne t'aime plus, je te regarde et je ne vois rien. Tes pas ne laissent plus de traces à côté des miens. Je ne t'en veux pas, je ne t'en veux plus, je n'ai juste plus d'incendie au fond du ventre. C'est comme ça. La 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 la. Elle m'a dit la 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 la. Alors j'ai éteint la télé, mais je n'ai pas trouvé le courage par la fenêtre de me jeter. Mourir d'amour n'est plus de mon âge. Elle m'a dit merci beaucoup, Kelly. Merci. Je beaucoup. Fais des applaudissements parce qu'on ne voit pas, mais encore une fois, il y a plein de cœurs sur l'écran. Une dernière petite chose, il y a quelqu'un qui demande sur Facebook, il s'appelle Jeff, et il demande que vous disiez un joyeux anniversaire à Carole. C'est sa chérie ? Est-ce que c'est ta chérie, Jeff ? Est-ce que c'est ta chérie, Jeff ? Dis-moi si c'est ta chérie, Jeff. Alors. Parce que ça ne sera pas la même chose. Salut Kelly, un joyeux anniversaire pour Carole. Alors Jeff, est-ce que c'est ta chérie ou pas, Carole ? Alors ? T'oses pas le dire ? J'ai le temps de taper. D'accord. Oui. C'est ta chérie, ok. Hello Carole, je m'appelle Kelly. Et de la part de ton chéri qui t'aime jusqu'au bout de la vie et qui s'appelle Jeff, je te souhaite un merveilleux anniversaire. La vie est devant, elle arrive. Alors serrez-vous fort, très fort, très fort. Voilà, je pense à vous. À cet instant, je pense à vous. Et je pense à toi. Bon anniversaire.